Alors les jardins, c'est assez simple. Ma mère y avait travaillé il y a quelques années, au début du jardin, donc je connaissais déjà de là. Après, il y a le fait aussi que dans le coin, le boulot, c'est pas la folie, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, c'est vraiment très estival, c'est saisonnier, c'est aléatoire. Et moi, en fait, ce qui m'a poussé ici, c'est une rencontre à mission locale, simplement avec ma conseillère, qui m'a donc parlé des organismes d'insertion comme ici, ou les diverses qu'il y a autour. Et du coup, j'ai signé mon premier contrat donc début décembre dernier. J'ai entendu parler des jardins de Cocagne par le Pôle emploi, qui m'a envoyé ici directement suite à une annonce, mais j'en avais déjà entendu parler en fait dans les on-dit et tout ça, parce que je compte m'installer dans ce métier-là. Je connaissais la philosophie du lieu, enfin plus ou moins en général, et ça m'intéressait particulièrement. Donc, et puis le fait que ça soit tout en bio, bien respectueux et tout ça, donc c'était vraiment ce que je recherchais. Raconte-moi. Moi en fait je suis arrivé ici sur les jardins en fait grâce à un site de proximité de Saint-Antonin-Noble-Val, parce qu'en ce moment difficile de trouver du travail, on va dire. J'ai les qualifications pourtant, j'ai un titre professionnel de chauffeur-livreur, je peux travailler dans la prépa commune, j'ai des CACES, un SST, mais... Donc j'en suis là et puis on va dire que j'ai une petite passion pour les plantes à côté, donc ça m'arrange aussi, ça me convient. Puis peut-être par la suite trouver quelque chose dans le domaine du maraîchage, c'est sympathique et puis je pense que ça peut ouvrir pas mal de portes aussi. Là, ici c'est moi qui m'occupe des poules notamment. Donc le boulot en soi est assez sympa, puis au passage on apprend quelques trucs et ça c'est très bien. Quelques notions d'agriculture bio, ce qui est assez quand même plus sympa que de mettre des engrais dans tous les coins. J'ai rencontré des gens surtout. C'est ça le plus intéressant ici, c'est qu'on voit pas mal de monde. C'est autant gratifiant que de faire n'importe quoi d'autre pour moi, surtout les plantes. Bon, ça part pour tout le monde, il y a les livraisons aussi des paniers, c'est sympathique quoi. C'est nous qui le faisons, c'est les autres qui les mangent, donc c'est sympathique. Si, je suis fier d'être ici, ouais, c'est clair. On est quand même sur une structure qui est particulière, il y a beaucoup de monde. Normalement, un espace comme ça, il y aurait beaucoup moins de monde et chaque personne travaillerait 70 heures par semaine. Donc là, on est tous sur des contrats de 26 heures en moyenne et puis on est beaucoup plus nombreux. On a un espace qui est quand même une belle serre automatique, des arrosages automatiques. Enfin, on a quand même beaucoup d'avantages ici. Vous verrez, il y a des petites chenilles vertes. Alors, elles sont très bonnes en camouflage. Ouais, essayez de la repérer, là il y en a une toute petite, mais cette petite deviendra grosse, c'est-à-dire que c'est la même que celle qu'on a déjà montrée, qui devient à peu près grosse comme ça, qui est bien verte, c'est une noctuelle verte, c'est facile. Et ça mange un peu de tout. Si vous avez des grosses, vous pouvez les écraser, si on en voit des petites, alors l'important, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis de ramasser les vieilles feuilles. Parce que ça, c'est vrai que tout ce qu'il y a comme vieille feuille, si on le laisse, voilà, ça va rester sur place. Et si on remet des choux jeunes... Un contrat de travail dans des jardins un peu particuliers, un lien avec la terre et la nature pour reconstruire un projet personnel et professionnel. Au bord de l'Aveyron, à quelques kilomètres de Saint-Antonin, l'association des Jardins de Cocagne a accompagné depuis plus de 10 ans près de 200 personnes en insertion. 2,5 hectares de terre, dont 2 de plein champ et 2 500 m² de serre, permettent d'assurer la production annuelle des jardins des gorges de l'Aveyron. L'association distribue chaque semaine ses paniers de légumes biologiques à un réseau de 300 adhérents consommateurs. On est vraiment en période de transition, c'est-à-dire que les cultures qui vont donner cet été sont à peu près en place. Et par contre, on a un gros travail tout le mois de juin, juillet, août, de mise en place des cultures pour la production d'hiver. Tout ce qui va être les poireaux, les choux, les carottes, les céleris, les betteraves, etc. Tout ça, ça se met... dans le mois qui vient, ça se met en place et donc après, il y a tout le travail de désherbage, de suivi des cultures, etc. quoi. Là, donc on est en passage des cultures d'été, enfin fin des les cultures d'hiver sont finies. Il y avait des cultures de printemps, ça c'était des petits pois et des fèves qui sont finis de récolte, c'est pour ça qu'ils sont dans cet état-là. Et donc on passe en culture d'été avec les tomates. Là-bas, on a les haricots verts. Donc on a pour l'instant des haricots verts dans la serre et ensuite on passera dehors. On a des haricots à rames, des courgettes. Et puis là, on a des plants de poireaux qu'on va replanter,
replanter dehors. Hein, c'est notre pépinière, mais on en achète aussi à l'extérieur. On a des choux, là, vous avez vu, en récolte tout à l'heure. Et puis là-bas, on a les poivrons, aubergines, concombres, qui vont donner tout l'été et qui vont donner jusqu'au mois d'octobre, pratiquement. Hein. Et nous, on accompagne ça ben, voilà, en faisant des retours aux personnes sur leur travail, leur façon de travailler, et de se remémorer ce qu'elles ont déjà fait, est-ce qu'elles sont autonomes au bout d'un moment, rapidement, pas rapidement. Il y a des gens pour lesquels on a des retours très, très positifs et qui sont les premiers surpris, quoi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des retours positifs de leur employeur. Quoi. Le cœur du projet, c'est l'insertion, c'est-à-dire aider des gens à reprendre pied dans le monde du travail et à reconstruire un projet professionnel. Les gens qu'on emploie ici sont des gens dits éloignés du travail. Alors éloignés, souvent pour des problèmes de qualification, essentiellement, mais aussi parfois avec des choses qui se surajoutent, donc problèmes sociaux, de santé, etc. Mais le cœur notre but, c'est l'objet de l'association, c'est l'aide aux personnes. Le maraîchage bio, c'est un moyen, c'est un support, qui permet de proposer du travail ici pendant 6 mois, jusqu'à 2 ans possible, mais ce n'est qu'un support. Les gens en général ne se destinent pas à faire du maraîchage ni même de l'agriculture. Il y en a quelques-uns évidemment, il y en a même pour qui il y a une vocation qui naît ici, mais ce n'est pas la majorité, loin de là. Les gens peuvent avoir des projets en tout genre, que ce soit menuisier, informaticien, chauffeur, enfin tout est possible. Ah oui, mais les profils sont très variés, déjà en termes d'âge, hein, vous avez pu voir qu'il y a des très jeunes et puis il y a des gens qui sont proches de la retraite et avec tout le panel, il y a aussi une mixité homme-femme qui est à peu près toujours de 50-50 et après des gens qui ont des parcours très différents. Notre satisfaction, elle passe évidemment au travers de la satisfaction des gens quand ils sortent d'ici et qu'ils ont réussi quelque chose. Je pourrais citer des tas d'exemples où les gens reviennent d'ailleurs, nous voir et nous dire ce qu'ils deviennent, ça c'est bon signe. Quand les gens reviennent, et, parce qu'ils ont trouvé un boulot, parce qu'ils viennent de s'acheter une belle voiture, ou parce que je sais pas, et qu'ils nous remercient, et que, bah, évidemment que c'est une satisfaction. Après, on a des gens qui rentrent pas dans les bonnes sorties officielles, mais qui pour nous sont des réussites aussi, parce qu'ils ont... Ils ont changé, on le voit physiquement et dans leur façon d'être, ils ont pris de l'assurance, on sait que le parcours va continuer pour eux. Ça, c'est des belles satisfactions. Après, on a aussi les satisfactions côté adhérents, parce qu'on... Bon, j'ai dit que c'était qu'un moyen, un support, mais c'est quand même important. On a 300 adhérents qui attendent leur panier chaque semaine et qui sont contents d'avoir des beaux légumes, même si ils sont pas là que pour les légumes, ils soutiennent évidemment le projet social. Mais bon, tous les petits mots qu'ils nous envoient en nous félicitant, disant que tel légume était bon, que voilà, tout ça aussi, ça fait plaisir à tout le monde, et aux encadrants, et aux gens qui travaillent ici. Parce que ça fait aussi partie du truc, ce qu'on fait ici, on est dans la situation d'une entreprise normale, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il faut que le produit qu'on va livrer à nos adhérents soit un bon produit qui est attendu. Et ça, c'est important pour les gens aussi, on ne leur fait pas faire de l'occupationnel ici, c'est vraiment un vrai travail avec des vrais clients. Un bon panier, ben c'est un panier avec lequel on peut confectionner un plat ou deux. Et puis voilà, où les légumes s'harmonisent pour confectionner un plat par exemple. Bon, c'est pas évident à faire parfois selon les cueillettes. Parce que là en ce moment, comme on a des cueillettes au jour le jour, il faut que j'attende la fin des cueillettes pour savoir quelle quantité on a pour pouvoir la dispatcher dans les circuits. 4, 5, 6. Et ce qui est bien, ben voilà, tout est bien en fait, justement, de voir des produits bio, de voir de la petite graine jusqu'aux légumes,
de voir que c'est aussi une association, et puis qu'il y a des gens justement qui ça leur apprend un nouveau métier, et puis de peut-être qu'ils y en feront peut-être un travail plus tard, ou voilà, de voir si leur dos résiste ou pas. Je sais pas quoi vous dire, ce qui est dur, moi. C'est peut-être pas moi qu'il faut poser la question. Non, pour moi, ça va. Si peut-être aujourd'hui les bambous, là, c'était un peu dur, mais sinon ça va, oui, non. Un des rouages essentiels du dispositif, l'accompagnement social. René reçoit régulièrement chacun des salariés en entretien individuel. Ils partagent une partie de leur quotidien. Son rôle, accompagner chacune et chacun dans ses démarches, ses recherches de stage, de formation, et en parallèle, repérer et lever les freins à l'emploi. Souvent, la mobilité est un premier frein à l'emploi. Le manque de formation ou la désuétude des diplômes, un certain isolement, une certaine forme d'isolement aussi. Voilà, pas que géographique, quoi, aussi social, dans le lien. Et le jardin, je pense, contribue, enfin un lieu comme ça contribue à c'est un peu un mot magique et clé et à la mode, mais c'est vrai que c'est un lieu où le lien se fait, quoi, où se refait, et comme dit, avec une équipe très diversifiée, avec des gens différents, quoi. On voit des gens qui se parlent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et c'est assez classe, je trouve. Enfin, justement, ce métier. J'essaie de voir les gens toutes les 3 semaines en entretien individuel. Après, la richesse de ce lieu-là, pour quelqu'un qui fait mon travail, à savoir l'accompagnement socio-professionnel, la richesse de ce lieu-là, c'est qu'on se voit dans un quotidien, quoi. On partage aussi des temps informels. On mange ensemble à midi, on va prendre la pause, boire le café, papoter. Et les gens sont... Je vois les gens aussi en situation de travail, quoi. Puisqu'ils sont sur un lieu de travail, ils vont amener aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus simples et plus brutes de décoffrage et qui sont peut-être là les réels freins à l'emploi, quoi. Parce que voilà, ils sont dans un lieu sur lequel ils viennent tous les jours, quoi. C'est pas un bureau dans lequel on vient une fois par mois parce qu'on est convoqué. On n'a pas de moule, quoi. Enfin, j'espère, en tout cas. J'espère qu'on n'a pas de moule et j'espère qu'on formate pas les gens. C'est pas l'objectif. Après, c'est sûr que l'objectif, il est... Enfin, c'est un vrai lieu de travail. Et les gens qui bossent ici, voilà, ils se lèvent le matin. En ce moment, c'est les horaires d'été, ils se lèvent à 7h. En hiver, il fait froid. C'est pas seulement facile, quoi. C'est pas seulement de la mise au vert dans un coin sympa des gorges de l'Aveyron, quoi. Ici, justement, ils tiennent compte des difficultés de chacun. On en a deux ici, par exemple, qui ont des problèmes physiques ou qui ont des problèmes mentaux. Bon, ça arrive, hein. Il y a des mamans, il y a des gens qui reprennent le travail après avoir été... certaines mères qui n'ont jamais travaillé, etc. Moi-même, je suis pas... j'ai quelques problèmes de dos, normal, je suis grand. Donc j'aime l'économie, je vais pas forcément très vite. Mais je suis méticuleux, par exemple. Ils en tiennent compte, parce qu'ils savent que, justement, c'est le but de ce genre de structure. Après, bon, ça m'a apporté des engelures, des rhumes, quelques coups de soleil, mais bon. C'est toujours mieux que d'attraper des sciatiques à force de rester sur un siège dans un bureau H24, quoi. Oui, ici, par exemple, il y a beaucoup de dialogue, quoi, qu'on n'a pas forcément dans d'autres entreprises. Beaucoup de dialogue, l'attention aussi des plus hauts, des responsables, quoi. Ils ont de l'attention vers nous, ils sont là pour nous, quoi. Ce qu'on n'a pas forcément dans notre entreprise, ouais. Mais je pense, oui, que ça va m'ouvrir beaucoup de portes, ça va vachement m'aider, ouais. Ça, c'est sûr. Un équilibre de vie, déjà, qui est vachement important. Se lever le matin... Manger 3 fois par jour, on est obligé, on n'a pas le choix, sinon on tombe. C'est ce que je faisais pas forcément avant, comme je travaillais pas depuis un bon 2 ans et demi. Bon, il y a eu des petites missions d'intérim, mais bon, c'était pas un travail fixe et régulier. Et je pense que déjà l'équilibre de vie, c'est déjà une bonne chose déjà. C'est déjà une bonne chose. Ouais. La région Midi-Pyrénées compte aujourd'hui une 10aine de jardins de cocagne. Il en existe 120 sur le territoire national. Cette association, loi 1901, a été créée en 91 et compte aujourd'hui près de 4000 jardiniers et 20 000 familles adhérentes. Un projet engagé dans l'économie sociale et solidaire.